Salut à tous et à toutes et bienvenue pour le Christmas Level, la finale entre Serzek Dr. J, son Guile et Boule Rose et son Ryu. Les deux joueurs ont donc réalisé une très très bonne compétition jusqu'à présent. On va voir comment va se dérouler leur rencontre. Et directement le jeu de boule déjà entre les deux joueurs. Ouh, la double touche, le flash kick qui passe derrière, il va mettre le pressing de la Dr. J et encore un flash kick pour dire ne saute pas sur Guile et décale sa chope, l'enferme dans le coin. Mais il essaie de placer son HK pour empêcher encore le jeu de boule et mettre un pressing. Et voilà, là, le dragon il était obligé là sur le coup Blue Rose pour en sortir de ce coin. Les petites séries de poc, le tatou, elle est punie par le flash kick, il fallait pas mettre le fort et il se fait choper derrière le Sonic Boom, le HK. Et voilà, bien placé ça de la part de Boule Rose. Il essaye d'avancer, de passer derrière un cross-up, il place les séries de la Dokken, tente encore un cross-up, la série de Pok, puni par un autre Pok du Guile. Et encore les Sonic Boom, il a raté son entière de la Dr. J. Et voilà, le flash kick qui a été... Il avait cancellé en plus au cas où. C'était très très bien combiné, il a mis de l'assurance dans son jeu. Il s'est couvert et on est reparti pour le deuxième round. Le Sonic Boom qui va arrêter le dragon. Il avait tenté au overhead, la Dr. J, ce n'est pas passé. Là il sentit le coup, voilà, c'est Sonic Boom qui vient le prendre encore en plein saut. Et encore un Sonic Boom, il a pas passé le dragon pour en sortir. Mais là il le place, Boule Rose, le Shakunet. Il met des dashs, il essaie de mettre le wrestling. Voilà, le percut Shoryu, petite série de poke de la part de Dr. J, barre de X pleine. S'il utilise bien la Dr. J, il peut faire très très mal. Les Sonic Boom X, Shakunet avec le saving pour absorber le coup. Et voilà, la petite carotte Sonic Boom, la chope aérienne et il continue l'overhead. Il met la pression, le Sonic Boom, la petite série de poke, le Shakunet dans la gare. Le Tatsu qui n'a pas été puni, là il fait whiffer le Sonic Boom sur le coup. Il lui permet de mettre cette pression là, Boule Rose. Le Tatsu qui finit dans la gare de la chope. Bien joué de la part de Boule Rose. Il a très très bien accéléré sur cette manche. Et il mérite largement donc la victoire de ce round. On est parti donc pour la suite. Même genre de départ avec le jeu de boules, les projectiles des deux joueurs, le flash kick cancel. Il a raté derrière, ça me fait un petit dash. Les Sonic Boom qui vient arrêter l'overhead, il passe par-dessus, il n'a pas enchaîné, c'est dommage. Dr. J avait une ouverture. Les Sonic Boom et les ados. Et il absorbe tranquillement, il lui dit viens là, moi je fais monter ma barre d'ultra en même temps. Et hop là, encore un Hadoken, regarde le Sonic Boom qui est passé, il va tenter le cross-up, et il l'a eu en plaçant la chape, la chope, il avait senti le coup. La balayette dans la garde, les Sonic Boom, ça construit de la part des deux joueurs, même si la boule rose subit beaucoup plus que tout à l'heure. Le Tatsu dans la garde, il faut punir, ah bien joué cette chope. Le tentative de cross-up, et encore la chope, il insiste, et oh là là, le dragon, attends, ça va faire mal là. Point fort, flash kick X. Le Shakunet, le Tatsu qui punit, l'overhead est balayé sur le coup, le tentative de cross-up, la série de POC, et la chope est en train de revenir, la boule rose. Oh il a raté, oh il a raté. Il avait une ouverture fatale et il se fait punir sur cette Sonic Boom. Encore la carotte qui a marché deux fois dans ce premier set. Malheureusement nous n'aurons pas le deuxième set, la vidéo a eu un pépin technique. Mais c'est Dr. J qui va remporter la rencontre. J'ai quand même voulu vous présenter le premier set. Je trouvais que c'était en plus l'un des matchs le plus intéressant en équilibre entre les deux joueurs. Voilà donc qui conclut le Christmas Level. C'est donc Dr. J qui arrive à la première place, suivi pour la deuxième place de Boule Rose, suivi de CRZ Nas et AOF Dekenshiro pour la quatrième place. Voilà donc tout l'ordre du Christmas Level, j'espère que ce tournoi vous aura plu. Le Draft Warrior arrive très prochainement et que l'esprit des combos soit avec vous.